Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vais vous poster aujourd'hui, ça sera sur notre voyage à Herbemont. Alors pour cette année, j'ai décidé de faire un anniversaire un peu changé en fait, faire plutôt une escapade qu'un anniversaire à la maison pour mes enfants. Et donc on a loué une cabane chez mon lit dans les arbres à Herbemont. Donc je vais vous montrer notre cabane à quoi elle ressemble et puis je vais vlogger ici et là, je vais vous poster quelques images de notre séjour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et moi en tout cas j'ai adoré découvrir ce concept et découvrir ces cabanes qu'on propose ici sur ce petit domaine. Alors tout d'abord voici la cabane qu'on a louée pour deux nuits à plus précisément 333 €. C'est les regards croisés. Donc je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Il y a une petite plaine de jeux qui se trouve juste ici pour les enfants. Donc si vous venez avec les enfants, franchement, c'est très intéressant. Ils ont de quoi faire et vous avez quelques temps libres si vous souhaitez lire un livre, par exemple. C'est complètement faisable. Moi, je leur dis tout simplement de rester vraiment pas loin de la cabane. Voilà, pour qu'on puisse en fait les surveiller vu des fenêtres à l'intérieur. Donc je vais vous montrer la cabane maintenant, à quoi elle ressemble à l'intérieur. Je vais vous faire une petite visite guidée. Et puis n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi j'adore ce genre de séjour pour des petites escapades, pour deux nuits. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment parfait pour se dépayser de votre quotidien. Et donc ça se trouve vraiment au recul dans une petite forêt, donc c'est vraiment super beau. Alors nous avons reçu les clés à notre arrivée à l'accueil, donc on va découvrir ça ensemble. Il y a une petite, il y a des petites marches, donc la cabane, voilà à quoi elle ressemble de l'extérieur. Donc assez grande quand même. Alors la cabane que nous avons louée pour deux nuits, elle a trois place d'une personne dans une petite cachette, vraiment idéale pour les enfants, et puis deux queen size beds, donc deux lits d'environ 1m60. Voilà, ça c'est l'entrée de la cabane. Comme vous voyez ici, ici il y a une petite porte, donc c'est l'entrée de la cabane. Ici en été c'est vraiment idéal parce que vous avez une très belle vue, comme vous le voyez ici, c'est vraiment bien dégagé, c'est vraiment très très beau. Donc il y a une belle vue en été et vous avez ici une table avec, je crois, 6 chaises. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Et donc on va ouvrir la porte ensemble. Oups. Voilà, quand on rentre, à quoi ça ressemble, vous tombez directement sur la cuisine. Et donc, quand on rentre, en fait, on tombe sur la cuisine. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Il y a un micro-ondes, il y a une petite machine Senseo. Il y a une bouilloire. Alors évidemment, nous, comme on est des grands buveurs de café, on a ramené aussi notre propre café, notre pichet français. Depuis qu'on est arrivé, cet oiseau est tout le temps ici. Il est trop mignon, il vient tout le temps, il est très curieux, donc il vient tout le temps voir ce qu'on fait. Donc ça c'est la cuisine comme je vous montre. Ici il y a un frigo, ici il y a tout ce qui est casserole, etc. Donc voilà, il y a vraiment tout pour cuisiner. Ici c'est tout ce qui est poubelle. Et puis ici, c'est tout ce qui est vaisselle. Donc, il y a les verres, les mugs, les assiettes, etc. Ici, vous avez une petite taque électrique. Je peux dire qu'elle n'est pas très puissante, mais elle fait l'affaire. Donc, ici, il y a un évier. Comme vous le voyez, il y a une machine Senseo, etc. Il y a vraiment tout. Et puis, de ce côté-ci, il y a le premier queen size bed, vraiment avec une vue magnifique. Vous voyez vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur, donc se réveiller comme ça, c'est vraiment très très beau. Ensuite, juste en dessous de ce queen size,
vous avez un escalier, mais avec une cachette. Donc, en fait, une entrée cachée vers une petite cabane, dans la cabane. Donc ici, il y a les trois lits, une place. C'est vraiment super pour les enfants. Et donc, de nouveau, tout le temps avec vue à l'extérieur. Donc voilà. Je vais refermer parce que les enfants me demandent tout le temps de refermer derrière eux. Ensuite, donc ici, comme je vous ai dit, c'est la cuisine. Et puis par là, vous avez la salle de bain avec... franchement, la salle de bain, pour une cabane, elle est vraiment très confortable. Donc, il y a ici les WC. Ils mettent à disposition tous les draps et tous les essuies. Ce côté-ci, il y a un évier. Et puis ici, c'est la douche, vraiment avec... Un loup va finir par la manger. Honnêtement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que vraiment, on sent pas que le confort n'est pas piétiné. Franchement, clairement, ici, vous pouvez venir vraiment bien vous laver, bien manger, bien dormir, tout est propre. Alors que... Auparavant, j'ai déjà loué des cabanes comme ça en forêt et ça, c'est vraiment le souci numéro un, c'est la propreté. Il y a aussi un poêle à pellet qui est éteint pour l'instant, mais il y a ici un poêle à pellet, donc on met du pellet à disposition que vous pouvez en fait remplir juste ici. Voilà, avec la lumière, c'est mieux. Remplir juste ici, pour l'instant, il est éteint, mais franchement, ça chauffe énormément. Hier, on était ici en débardeur, donc franchement, c'est la cabane, elle est super bien isolée et il fait bien chaud, donc, et on est en plein mois de février. Donc franchement, ça, c'est vraiment un gros, gros point plus. Il fait super chaud, l'oiseau, il est encore là. Ensuite, de ce côté-ci, si on va plus loin, ben, c'est en fait la salle à manger, de nouveau, toujours vue vers l'extérieur. Donc ici, il y a 5 places. Donc voilà. Et comme vous l'avez vu, on a fait un petit anniversaire juste ici. Et puis, quand on va plus loin dans la salle à manger, il y a un accès vers là-haut. Et donc là-haut, il y a le deuxième queen size bed. De nouveau, avec toujours vue à l'extérieur. Vraiment, ces fenêtres vont jusqu'en haut. Donc voilà. Et donc voilà, c'est le petit tour de la petite cabane. Je vais faire place maintenant à quelques images de notre séjour. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cet endroit cosy, franchement, pour se relaxer, pour se détendre, pour lire un livre, pour avoir de la tranquillité. Et les enfants ont vraiment adoré parce qu'il y a énormément de choses à faire à l'extérieur, il y a énormément de jeux ici, des jeux de société, donc vous vous ennuyez pas, il n'y a pas de wifi, il y a du réseau mais il n'y a pas de wifi, donc franchement venir avec un ordinateur etc, ça ne sert absolument à rien. Alors, pour être honnête, nous, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer parce qu'on est venu pour fêter un anniversaire, comme je vous ai dit. Donc, je vais vous montrer un petit aperçu de l'anniversaire que nous avons fêté de mes deux petites filles. Donc, voici l'endroit que j'avais choisi pour décorer. Donc, je me suis dit que de toute façon, on allait manger à table et vraiment, c'était l'endroit à décorer, tout simplement. Alors je voulais absolument partager ceci avec vous, c'est une tarte licorne qui vient de chez Albert Hahn. Alors franchement, elle a eu énormément de succès, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais d'habitude, je fais chaque année ma tarte moi-même, donc je fais un layer cake et puis je le décore comme je vous ai montré l'année passée. Mais cette fois-ci, franchement, j'avais pas eu le temps tout simplement. Donc j'ai acheté cette tarte de chez Albert Hahn à une quinzaine d'euros et c'était super bon. Alors question décoration, tout vient de chez Amazon, vraiment à 17 euros, j'avais un pack avec vraiment tout à l'intérieur. Donc hyper pratique, facile et pas cher. Je vais tout mettre en barre d'infos, mettre le pack en barre d'infos et ainsi que les coordonnées pour louer la cabane. Les bougies aussi viennent de chez Albert Hahn, donc c'était vraiment hyper pratique. Soufflez ! Bravo !
Et puis je voulais aussi vous montrer un petit peu ce qu'on faisait en journée. Donc honnêtement, nous c'était, on est venu ici pour la verdure, donc c'était beaucoup de balades. Dans la cabane, il y a une farde avec tout ce qui est chemin de promenade, donc vos petits chemins de promenade, que ce soit des petits ou des grands. Alors nous, on a fait le plus petit qui est à 7 km, mais franchement, on a eu plein de verdure, c'était vraiment super agréable, il a fait super bon, il faisait un peu frisquet, mais il n'a pas plu du tout, donc on a eu vraiment de la chance de ce côté-là. Et puis pour terminer ce vlog, je voulais vous montrer un petit endroit juste à côté de la cabane. Donc c'est une petite ferme que vous pouvez visiter et nous c'est ce qu'on a fait tous les matins et tous les soirs. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais terminer la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.